Sur quoi va un peu la connexion? Bon dimanche. Et là, mon pote, c'est pas ma peine. Voilà, c'est un postin. Signorina! Cosa fai? Guarda l'asino. Ci sono le serviettine? Eh? Ci sono? No, quelle è mia. Cos'è tuo? Allora. Coucou les amis, à personne. Collectez-vous. Bon dimanche. Je vous appelle comment? Les lourdes. Moi-même si. Je voulais mettre bon dimanche, mes loulous. Voilà. Voilà que je vais mettre pas trop mal. Anke pour tout ça, je vais pas mal. Parce que. Coucou Aristide. C'est comment? Tu es où? Tu es à rentrer de Douala? Comment va la maman? Non, non, c'est quoi? Je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est dimanche. C'est dimanche, tu vas à l'église. Tu rentres à la maison. Tu fais les petits. En fait, tu voilà ta journée tranquille, non? Tu ne te fracasses pas beaucoup. Je suis un peu fatiguée. Bien oh. Ah ok. Donc elle va déjà mieux. On rend grâce à Dieu alors. Ok. J'aime bien. Oui, mais tout le monde peut bien que lâcher l'andar. Donc voilà, c'est dimanche, c'est tranquille. Là, je suis en train de sortir. Moi, si tu veux aller monter, descendre. Belle eau naturelle. Merci. Je voulais mettre une longue perruque. Hier, j'avais ma perruque taille 32. C'est ça qu'elle voulait porter. Je suis là-bas. Il était même hier sorti. J'étais là, je fermais à la porte. Maman, seulement la maison chez moi là-bas, c'est au moins 30 degrés. Hier, ça m'a dit, hey, pardon. C'est toujours le Nyangala comme ça là. Les gens vont bien, ils vont me regarder et tout, que voilà la belle fille et tout. Et pourtant, moi, je suis là en train de souffrir avec la chaleur. Non, je suis encore là en train, j'ai changé, j'ai mis ma petite couche là. Je te dis. Voilà vraiment les petits couvrements d'été, sans ça, rien de mec, les longs, longs machins là. Même les perruques à froze là. J'essaie, mais je n'aime pas. Parce qu'il fait chaud, surtout quand il fait chaud comme ça là, on l'écrit beaucoup, beaucoup là. Bon, peut-être qu'en hiver, quand il fait froid. Oh là, lui, elle voit sa machine. T'as vu, c'est toi? Elle ne fait pas ça pour le garantir. Ça dit quoi alors? J'ai suivi le Japap sur Facebook. Nicolas Clachier. Elle a dit quoi? Que du camé a fait quoi? En tout cas, moi je suis allée seulement sur ta page, maman. J'ai vu que tu avais encore supprimé le direct. Tu as bien fait. Ceux qui t'ont vraiment conseillé là, elles t'ont vraiment bien conseillé. Ça veut dire que tu es quand même bien entouré. On peut dire ça. Tu es entouré quand même des gens. Qui sont un peu conscients. C'est vrai, il a fait un direct en italien pour te dire que vraiment, ma soeur,
comme tu sais que je t'apprécie beaucoup. De la dernière fois même, quand tes vidéos circulaient là, que on disait que non, tu ne t'occupes pas de ta maths et tout ça là. J'ai même fait même le direct pour te défendre. C'est vrai, tu vas plus tard dire non, je t'ai pas demandé de me défendre. Tu es qui? Tu me connais où? Ah, moi, je te connais pas. Mais tu es une Camerounaise comme moi. Et en plus, tu vis en Italie. Hein? Nous, tout ça, on est en Italie ici là. Même comme on dit que toi, tu es où? C'est Titi, il est là-bas, dans les villages là-bas. Là. Il n'y a pas le problème, je connais là-bas. Je suis même sûr que mon gars connaît même là-bas. Ouais. Quand la gente que selon les in Titi, il y a de la part de tu sono immigranti. Sì. Cos'è la città lì? Lampedusa. Lampe? Lampedusa. C'entano. Guarda le petit nom de petite ville là. C'est là-bas que les immigrés là restent beaucoup. Donc vraiment il faut éviter les problèmes. Quand c'est que quelqu'un tu viens en Europe, tu viens c'est pour te chercher. Tu n'es pas là pour... C'est-à-dire les réseaux sociaux, si moi, je ne sais même pas. Hein. Ou c'est toujours pour les petits miettes que vous prenez ici, là, là. Ou c'est comment... On... Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que... Facebook, c'est là. Je dis, donc il parlait comme ça, là, la caméra était à tourner. Moi, avec le téléphone, je suis comme un enfant. En tout cas, je vous discrète aussi, non? Je vous dis, là même, je vais aller là, peut-être je vais aller au magasin, je vais peut-être vous faire visiter aussi un peu, et voilà. Donc, je disais donc que vraiment, les réseaux sociaux, c'est... Ça donne le kilo aux gens. Les gens sont kilotés ici, là, sur Facebook. C'est pas parce qu'on est en Europe. Hein. Même si c'est que tu as la nationalité, que tu as le passeport Bordeaux, là. Il y a certains trucs que tu ne peux pas te permettre. Tu rigoles la cosa lì che ho comprato che io dovevo mettere davanti la macchina. Cioè, non si può stare qui. Hein? Ci ricordo. L'ho comprato, non so se era 25 euro, tipo da mettere qua. J'ai anche demandé a mon gars, j'ai acheté un truc là pour mettre devant la voiture. Parce que le fait de toujours tenir le téléphone là, c'est pour ça même que souvent, quand je sors, je fais pas beaucoup de direct parce que je suis seule, je peux pas tenir le téléphone ou... Il y a même parfois, je pose ça là, mais vous voyez seulement le volant. Vous ne me voyez même pas bien comme ça là. Donc, j'ai acheté vos trucs là. Vous appelez ça comment? Pour mettre devant là, vers le pare-brise. Comme ça, quand je lance le direct, même si je suis en train de conduire, vous me voyez. Je ne sais pas, il va essayer de me mettre ça dans l'autre voiture. Merci Aristide. Tu fais quoi alors? Tu es parti à l'église? Non, il faut prier. Oh. Il faut beaucoup prier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai déjà suivi les chansons. Je n'ai pas les droits d'auteur au Facebook. Namanganga, alléluia. Namanganga, alléluia. Tu te rappelles? Je dis que j'ai déjà dansé là-bas chez moi depuis. Je me suis d'abord même. Moi, je me lève toujours. Le week-end, je dors pas. À 6 heures. Donc, depuis 6 heures, j'ai mis la musique. J'ai mis la musique. J'étais à là, avec mes chansons. Hein? J'ai déjà lu déjà mes versets, j'ai déjà prié. Avant maintenant de te lever, tu pars, tu fais même peut-être un tour à l'église. Avant de commencer les occupations. Maman, Dieu avant tout. Oh. Tout ça, c'est rien, les agents, les quoi là.
On est là, on est ici à Nairobi, on souffre, on cherche la hand de gauche à droite. On va laisser tout ça, Minalmi. Tu comprends, non, Aristide? C'est très important. Donc, j'espère que tu es parti à l'église. Donc, voilà, je disais donc tantôt que vraiment les réseaux sociaux, si moi je sais pas, je comprends pas. C'est pas parce qu'on est en Bénin. C'est pas parce qu'on est en Europe. Que tu aies même tous tes documents ou la nationalité autour, ça ne te donne pas le droit vraiment de, d'aller sur les réseaux sociaux et faire certains trucs. Il y a même un autre direct, je ne sais pas qui a fait la vidéo là, ou bref, apparemment ce sont les gens qui te détestent là-bas sur Facebook. Là. Je suis en train de parler de Nicole. Là, que oh, avant de Boza, où tu as qui l'âme deux personnes au pays. En fait, tu vois les propos comme ça là, c'est pas bien. Dans les propos comme ça là, ça peut nuire. Ça peut te nuire en fait. Je dis pas que c'est vrai, sûrement c'est faux. Mais comme ce sont des gens qui ont des ennuis, qui ont des problèmes avec toi, donc ils se sont permis de raconter un peu du n'importe quoi sur toi. Et là, déjà, c'est pas bien. Tu vois, nous sommes en Europe. Et ici, tu t'en rends compte. Voilà peut-être une comme moi. Hein? Moi, je suis ta soeur, je suis camerounaise et tout. Je peux aller dans un poste de police. Je viens même là-bas, dans la ville, même là où tu vis là-bas. Parce que moi, je connais tout ici. Hein? C'est vrai, moi, je ne suis pas vers là-bas. Mais moi, j'ai des relations ici, beaucoup même. Je connais beaucoup de gens. Et oui, je viens là-bas, je m'en vais là-bas dans un poste de police, je montre la vidéo là où la personne la déclare que oh, où tu as qui là, où tu as fait quoi avant de bosser là. Je montre comme ça, n'est-ce pas que tu es là dans les problèmes. On te convoque seulement. On va dire que donc tu as eu des problèmes dans ton pays avant de venir ici. Donc c'est comme ça. Donc il faut éviter beaucoup de trucs. Guarda, guarda, iguale. Iguale, pero è verde. Hai visto? Hein? Donc il faut éviter beaucoup de choses, beaucoup les cuits des réseaux là vraiment. Il faut beaucoup éviter. C'est pas bien. C'est pour ça que même quand tu lances la procédure pour tes papiers, beaucoup plus c'est la nationalité, oui. Je crois parce que c'est là où on m'avait demandé ça. Il y a un certificat que tu dois aller faire dans ton pays. Et c'est un certificat où ton propre pays doit déclarer que tu n'as pas de soucis là-bas. Tu n'as jamais eu de problème avec la police de ton propre pays. Tu n'as jamais... comment on appelle même le papier là? Ouais. Oh. Attendez, nous sommes arrivés au parking. Comment on appelle même le papier là? Donc c'est un papier très très important. Donc c'est pour vous dire que ici en Europe, tout est contrôlé, tout. Tout est contrôlé. Voilà, ça peut faire comme ça, c'est pas parce que non, tu es ici là légalement et tout, tu vis avec des gens du pays. On prend une nationalité, on te donne, hein, non? On mène d'abord les enquêtes d'abord sur toi. Hein? Ah, les documents qu'on m'a demandé. Maman, moi-même, quand je suis au pays, même pour te faire les documents là-même, c'est même pas facile. Il faut moi, au Cameroun, pour faire les documents là, pour ma procédure. Je ne descends pas maintenant, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Voilà, non, il paraît que tu veux, je non. Hein? Oui, prenez la Sophie. Hein? Si tu pas que tu fais chendre. Donc il faut vraiment éviter. Il faut éviter, maman. Nous sommes arrivés en Europe. Personne ne nous a amenés en Europe. Nous tous, on est venus se chercher. Chacun est venu, sont venus, Je vous dis souvent, c'est ici là. Donc il faut jamais se laisser faire que non. Il ne faut pas ancrer dans les sales machins, les faux trucs. Qui peuvent te mettre dans les problèmes, même que. On peut même retirer tes papiers. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir. Comme tu as. Après, tu as effacé encore. Ah, mon prends-en pour téléphone.
aspetta. Aspetta. Non so se riesco, aspetta. Così mi fai vedere i vestiti. Ok. J'ai laissé mon truc. Allora, non so se riesci. Aspetta. Fa niente, passa. Coucou, nous sommes au parking. Hein. Je vous ai manqué ma voiture sur l'autre jour, non? Vous l'avez déjà vu. Donc, c'est parce qu'elle va encore vous montrer. Voilà, j'ai mis mon petit démembré, un petit pantalon léger. Vous me voyez? Comme ça. Dans un petit pantalon, ce sont les tissus pour l'été. Voilà, donc c'est un peu léger. Quand rien te passe, moi du coin. Donc, c'est un petit cul léger. Et qu'est-ce qu'elle disait, non? Voilà, donc là, je suis en train d'aller dans le centre commercial. Diane, date d'avanti. Viens, Diane, dame la main. C'est Sophie, c'est ma fille là, elle dira. Vous savez que je suis toujours avec elle. C'est la plus petite. Pince à terre. Mamma mia. Dai, non cominciamo. Guarda. Guarda la cosa che lei vuoi prendere. Io non spingo. Vai, vai a tirare il cucca che vuoi quello. Vai allora. Vai. No. Souvent, parfois, quand on vient comme ça, là, je l'amène même dans les places de jeu, là. Elle reste là-bas même 2 heures, 1 heure. Mais là, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Non. Ça ne pense pas quand même. Sophia, vai, vai, segui ton padre. Segui-le. Guarda, puoi tenere un po' Sofia un po' un attimo, che io non riesco. Maintenant, là, il doit regarder mes trucs, elle dérange. Sinon, se voi la portiamo lì dove ci sono i giochi. Elle dérange, je vous assure, les amis, c'est pas facile. Donc, souvent, parfois, je l'amène là-bas dans les trucs de jeu, là. Tu laisses même 5 euros, 10 euros là-bas. Elle reste là-bas même 2 heures, 1 heure. Les gens du pays avaient les histoires de téléphone. Il y a toujours les téléphones qui dérangent. Je dois faire un colis là ces jours-ci pour envoyer là-bas donc. Je vais chercher un petit téléphone à une tata là. C'est joli ça. Coucou. Je fais alors comment? Vous allez rester avec moi ou bien je dois couper mon direct. Hein, parce que c'est comme il vous a dit, moi je suis allé au magasin. Oh. Je vais maintenant commencer à marcher là, regarder ceci, regarder cela. Hein? Vous restez avec moi. Je dois regarder les téléphones, je dois regarder, je veux l'appareil photo.
pour moi-même. Je dois aller en vacances. Donc je veux un tout petit appareil là pour me faire plaisir. Mi sa che qua non ci sono tanti. Hai lasciato? Se vuoi andare a prendere, ci aspettiamo qui. Ah, qui non si può toccare a loro, ho capito adesso. Sono quelli che costano tanti soldi, devono aprire loro. Ho capito. La marca même che vuole la Genova passa. È vero che anche Sony è bello. Sì, ma Cano è questo che ha tuo fratello, no? Tipo uguale, con tanti modelli diversi. Sono tutti uguali. Questo è come il suo, giusto? È proprio uguale, la sua tanti anni che c'è. Ho capito, dove ci sono le spiegazioni per capire, c'è. Non c'è qualcosa per leggere, cosa c'è di più, cosa... No, quando tu vieni dietro di me mi devi dire, così io lascio il telefono. Eh sì, il y a un modello là quand même, c'est pas mal, ma è il modello même che je voulais là. Perché c'è da vedere un po' cos'è la differenza, hai visto? Per esempio questa costa 530 euro, quella lì 1200. È un nuovo sistema di foto quella lì. Un nuovo sistema di foto di macchina fotografica, un'ultima generazione di macchina fotografica. Poi c'è uno lì, 740 euro. Non ha più dentro gli specchi. Modello diverso, fa la foto diversa, questo qua, la fa più reale, invece quello dentro c'è lo specchio, è difficile da spiegare. Sì, ma tu riesci a usarlo? Beh, perché mi sta molto complicato. È come un telefonino. Sì, ma guarda, hai visto l'ultima volta, anche le foto, anche tuo fratello lui non ha riuscito a fare, hai visto? Allora bisogna chiamare una signora che spieghi bene le cose, cioè non c'è solo... È per quello che io ti sto chiedendo, perché io vedo che anche tu non conosci anche... Cioè non lo so, non lo so. Dopo vediamo. Comunque chiama la signora e così ci facciamo spiegare qua.
Maman va appeler un peu le monsieur là. Il vient un peu m'expliquer. Coucou Aristide. C'est comment alors? Tu fais quoi de beau? Voilà, je suis au magasin. Attends, il tourne la caméra. Ici, on va les machines à laver. Voilà, on va un peu tout, les frigos, les téléviseurs. Donc là, moi, je dois chercher un petit téléphone là. Je vais envoyer au pays. Et mon appareil photo. Donc voilà, je suis en train de regarder là. Voilà. C'est même pour ça que j'ai demandé à mon gars de venir parce que je savais que les crux. Je crois que je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Hai chiamato la signora? Pensavo che sia andata a chiamarla. Ho detto di chiamare la signora. Va. Perché qui non si può aprire. C'è da chiamare per forza. Aujourd'hui, là même, c'est calme. Le magasin, c'est souvent plein. Surtout les dimanches, comme ça, là. Les gens, là, sont occupés. Il faut patienter. C'est ça, alors, les robes. Ici, c'est seulement la patience. Si tu veux faire les plus vite, 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 tu ne peux pas. Il faut prendre même toute ta journée. Nous sommes en train de patienter, il y a un monsieur là-bas là. Mais là, il est encore occupé, donc il faut patienter. Comme ça, il vient, il enlève l'appareil dont on a besoin là. Et... Après, on va aller. Vous voyez, non, là, voilà. Donc le monsieur en rouge là, c'est lui qui est en train de patienter. Il vient, il y a un manga. Non c'è più nemmeno appunto il pentaspecchio meccanico che si alza e si chiude per catturare l'immagine e la luce. C'è solo un chip. Ed è il chip che
aveva la foto, la elabora e quindi è diventata totalmente digitale, non è più come la reference, che è vero che è digitale, ma è ancora tutto meccanico. La qualità dal punto di vista della fotografia, quindi il rapporto proprio uno a uno, ormai è pareggiato, nel senso che non riesco a distinguere se hai fatto una foto con la reflex o con la mirrorless. Prenderanno sempre un po' più piede, probabilmente perché visto che c'è un chip, negli anni si rinnoverà, e si garantiranno macchine più potenti che possono riprendere in 4K, magari più potenti in 4K, che sono anche più compatte, non essendoci una meccanica che deve muoversi, la macchina è un po' più piccola. Naturalmente, come era per la reflex, posso prendere completo solo il corpo macchina e poi aggiungere sempre, cambiare gli obiettivi. Quindi il discorso obiettivi è come prima. Come prima, io parto magari con un pacchetto completo, con un classico magari 18-55 mm, posso decidere di comprare uno zoom, posso comprare un aggrandato, cioè è tutto come prima, non cambia niente dal punto di vista della filosofia di lifestyle. Invece Sony, la 850. Questa qua? Sì. Allora, esatto, generazione di consigliere. Questo è un sistema vecchio, sono anche delle cose, questo è. Poi nelle mirrorless, alcune tipologie di mirrorless di Sony si dividono nelle vere e proprie macchine fotografiche con rapporto uno, cioè prendo la mira da qua e vedo quello che vedo, quello che scatterò. Poi ce ne sono alcune invece che sì, sono mirrorless, però sono ancora più compatte. A volte non hanno neanche, in questo modello per esempio non c'è il flash, quindi casomai se lo voglio lo devo mettere a parte, e qui per dire ancora prendo la mira da qua, quindi non ho l'oculare per vedere all'interno. E quindi è una ibrida sostanzialmente. Un po' diverso, sì. Può però utilizzare tutte le ottiche in mount che monterebbe una di queste, solo che non sarebbe l'abbinata giusta perché comunque spesse volte in condizioni di luce avversa riesco a fare la foto da qua, io dovrei mirare all'interno. Quindi questo tipo come modello è tanti anni che c'è. Beh, ormai sì, è da qualche anno, è una reflex anche come corpo macchina basica, nel senso che è messa a fuoco, sono limitati la velocità della macchina, la sensibilità, la luminosità del pentaspecchio più bassa. Diciamo che è la classica macchina combinata in scuola, perché magari dice mai fatto fotografie, voglio iniziare a farle, ok, voglio provare, quindi ha una spesa contenuta con un'ottica base, si può prendere ottiche in futuro anche molto buone. Ricordo tanti anni fa, avevo una che uguale, c'era dentro il rullino, sì. Poi mio fratello ne ha una uguale, ma sono già 600 anni, questa qua è elettrica così, sì. Cioè, facciamo già da 600 anni, 8 anni, vedo che non c'è differenza. No, vabbè, esteticamente poi le macchine ormai, quella più o meno a scoppia, come anche per le moto di la stessa. C'è qualche utente che preferisce usare ancora le reflex, magari di gamma alta, fotografi, perché magari hanno le mani grandi e con la macchina piccola gli riesce difficile, perché magari un utente normale ogni tanto deve andare nel menu e fare, mentre il fotografo fa tutto mentre sta guardando nel mirino con le mani perché sa dove mettere. E allora con la macchina piccola a volte gli fa fatica, però il futuro è questo. Quella lì 740 o come è? C'è un discorso solamente di... Ti faccio vedere come si chiama? I 200 euro di differenza. Sì, però. Questa qui è un'altra generazione, l'ultima generazione questa. C'è un video di 2 anni fa. Ho capito. Coucou les amis. Il avait coupé le tiret. Je suis dans les affaires. Je vais prendre l'appareil là. 1400. Questa potrebbe essere vagamente il corrispettivo di quella. Okay, perché è una macchina standard con obiettivo 18-55, display non estraibile, ma prendo la mira da qua, flash incorporato, quindi è una, diciamo, un
e poi se non usa appunto l'ottica come quella, però la macchina è quattro meno, però di nuovo ma un, sì, un nuovo modo di fare le foto, il fatto di avere un chip, tolgo una parte meccanica che magari sì, potrebbe in futuro compromettersi, cioè qui è vero, con un chip anche quello che deve andare in tilt, però è quella... sicuramente il futuro sarà sempre questo. Sì, ma infatti quello che dicevo, praticamente compri una nuova generazione di macchina fotografica, la leggo completamente usata. Ma quelle rimangono ancora buone fino nel momento in cui ci sarà il supporto, diciamo, delle obiettivi, del... o poi sì, anche quelli non è meglio quello. Meglio quello. Sì, poi non è così grande come. È comodo, è sì. È una novità che è uscita, non so da quanto tempo è che c'è il OBS. Già qualche anno i Sony sta diventando. Sì, il OBS è vedi da qui 100 in più. Danno un display fatto così e magari questo è quello che mi serve e però magari qualcuno può essere in condizioni di scatto molto particolari dove non posso prendere la mia, allora ci provo, faccio la foto così e proviamo a vedere quindi la capito. Mano che, sì, anche qui però vedi c'ho sempre la solita ottica normale, tra l'altro più 18-45 cioè, non c'è la differenza. Qua non c'è questo. No, qua lo vedi qua. Lei è un po' aprire. Quella è una cosa che non è so che tu lo ami. I sogni che puoi prendere la mia, ah, ci sono quelli. Quella è quella. Allora, no, no, prendo la mia? Sì. Do questa? Qua vai tanto, Sony. Ah, scusami, Sony. Sì, sì. Pure, sì, questa. Ah, quella. E questa. Quanto questa c'ha il suo mirino. Decido tu, o questo o quello? Quella lì è un po' più... sì, è uguale, sì, sì. Prova a aprire ancora, riesci? Apri, vedi le foto da qua e tutto, se no puoi prendere la mira da qua, puoi guardare da qui. Sì. Se non riesci ad andarci con la testa, vedi qua e scatti, vedi subito la foto. Vedi subito la foto. Ah, okay. È una cosa in più. Questa? Mm. Questa. Preferiva quella sempre. No, quello è... Dici che basta, sì. Dico ancora che c'è una casa. Non è tuo, c'è proprio les enfants. Ok. Sono contenta. E si contenta. Lasciamo un apparecchio foto. La Jang, wow. 1400 grandi. Non va più. Se lo cado, no. Se lo cado. Lei è a midi. Non, c'est pas plaisant. Mm. Non, non è tuo. Dai.
Lascia stare. Sony reste vraiment le meilleur. Depuis des années. Mi sa che ha guardato qui non c'è. Speriamo che non è finito, eh. È uguale? Ha detto che è la più potente al mondo. Quella lì costa 2000 euro. Devo prendere quello. Ma mamma, io posso prendere quello di 1400, mon capo, io posso prendere quello di 2000, pardon. No, je veux l'appareil photo, mais je ne suis pas sûre pour que ça 2000 euros, non. Mieux, il me donne les 2000 là, je vais, je disais 1400, il prend l'appareil. L'argent là, je vais faire quelque chose avec. Et voilà les sacs ici pour mettre les appareils là. Voici si sont les bosses, ça permettrait d'incre, non? Hai già la borsa a casa? Non è bella? Ah, allora usi quella. E lui demanda se non ha un sac déjà. No, c'è pas cher. 25 euro, 30 euro. Celui de 25 euro là, c'è bon. Parce che l'appareil n'è pas aussi grand che ça. Bon, ça peut suffire. Coucou! Ça dit quoi, non? Vous faites quoi de beau? Moi, je suis au magasin. Donc voilà, on allait chercher mon appareil. Après, il va là à la caisse. Je vous laisse, non? Peut-être qu'après, il va lancer encore au direct. Attendez, tourne. Attendez, attendez, demande à mon gars. Ou bien je pose même ici, là, comme ça, vous me voyez. Vous voyez un peu comment je suis habillée. Non, non, lâche. Così ti vedono. Non, non, ascolta. Io non, non, lascia stare. Non, non devi insistare. Guarda che queste cose qui non sono i giochi. Se tu fai così, tu rovina la video. Dopo io sono obbligata a cancellarlo. No. Tu non puoi fare la brava un attimo. Sai che cosa? Se dobbiamo comprare le cose, portiamo lì Sofia per giocare. E voi ti dico, ma... Però se mi dà un minuto devo andare in cassa perché in realtà di questo coso quando me lo fa passare sul mercato. Ah, cerco di capire se devo andare poi in cassa, non riuscite a fare niente. Gli serve anche la scheda di memoria, la custodia. Scheda? Adesso quella lì viene venduta senza scheda, senza niente. Sì, sì, vabbè, no, la scheda non serve, serve. Non manca okay. Del moto, diciamo. Sì. Ok. E la chiavetta? No, no, c'è la sua scheda. Ah. La scheda di memoria. Sì. Ah, ok, va bene. Ma allora, al di là della dimensione, cioè in giga, ne voleva una molto veloce, cioè dipende anche da che tipo di foto fa rete. Se fate delle foto statiche, ritratti, eccetera, questo può essere anche non elevatissimo, intorno a 120, va bene. Lei mi dice, no, guarda che io voglio scattare le auto in corsa, quindi devo fare tutti scatto. Calcolate che voilà. Questa qui Don voilà, je disais donc qu'il va vous laisser non. Je vais aller à la caisse. Il dit même pas, non, il doit avoir les points au téléphone de ma tata. Il doit avoir le téléphone au Cameroun. Ok, bisous. Je vais relancer le direct après. Mm-hmm. Parce que là, nous, on parle une langue que vous ne comprenez même pas. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Bye, bye les amis. Bon dimanche. Peut-être que je vais relancer.